Internotatrices et internotateurs, ici Galen pour les jeux du Cygne. On retrouve notre partie sur la découverte de Zephon qui sort le 8 novembre. Donc, on commence à se frotter au bleu de Vox qui est par là. On va réavancer, mes exécuteurs sont de nouveau leur île de près. Et je commence à avoir des forts qui arrivent. Hop. Non, pas là. Là, tu vas juste aller là. Est-ce que t'as fini de heal? Pas tout à fait, mais tu vas suivre le groupe. Ah, hop. Tempête de sable, je crois que ça fait des dégâts. Tempête de sable. Inflige des dégâts à chaque tour, c'est ça. Donc on va éviter de s'y mettre. Et ici, ouais, je suis un peu juste en production, très clairement. Est-ce que j'aurais pas même intérêt à l'annuler celui-ci? Non, j'ai de l'influence. C'est pas très grave. Captain. Oui, on fait juste des exercices militaires. Bon, je vais lui proposer un cadeau. Hop. Je pense que c'est trop peu, saloperie. Ah oui, c'est le problème en fait. Bon, c'est une alternative, hein. C'est aussi de lui dire, se dire. Ok, elle veut pas. On attaque les hostilités. Le ménage. C'est une possibilité. Alors, qu'est-ce qu'il fait mon cryptarque? C'est quoi ses possibilités? Déjà, il fait quoi comme dégâts? Il attaque à deux distances. Ok, et applique interférence particulière, moins 50% de guérison reçue. Ouais. Je vais baisser un peu le volume du son. Hop là. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Alors, plus réparation particules, plus 8 points de vie à unité mécanique alliée endommagée. Ok, donc c'est du heal sur du mecha. Barrière à particules qui donne la réduction de dégâts contre les armes de tir. Surcharge système à l'unité ennemie ciblée, plus 25% de dégâts auto-infligés par les armes de tir. Et ça, l'ultime au niveau 6. Mise au tombeau pour un tour. Ouais. Qui un truc qui permet d'immobiliser complètement. Et donc c'est vraiment une unité de soutien. Déplacement, oui, pour les adultes. Héros, survol. C'est purement méca. Ok. Pourquoi pas un... Attends, c'est... Il a pas une seule action qui est une action libre. Oui, donc c'est vraiment... on joue beaucoup sur... sur soutien. Bien. Qu'est-ce que je fais?
Qu'est-ce que je fais? Parce qu'en fait, je sais que ça va pas lui plaire. Donc, je peux aussi me dire que j'essaye de nettoyer un maximum. Ceux-là, ils font. C'est sur uniquement du CAC. Et ça, des petits pistolets, mais qui tirent à 1. Ceux-là, c'est des saloperies. J'aime pas du tout les lance-grenades. Donc là, il en a 4. Allez. Tant pis pour. Tant pis pour le commerce avec la cheftaine. On va faire tac. On va reculer un peu. On va lui défoncer toutes ses unités. On se met à l'abri. Tac. Toi, tu vas là. La cargaison va là. Hop. Là, du coup, je vais faire du heal. Ouais. Le heal sur les unités mécaniques. Ah oui, et ça peut affecter aussi ces unités-là qui sont considérées comme mécaniques. Bien. Toi, du coup, tu t'es déplacé. Je vais te mettre à l'abri un peu en retrait. Là, et puis, hop, hop, déclarer la guerre, tac, boum, ça c'est très bien, on termine, hop, ici, interférence particulière, hop. Ah oui, lui, je peux même le faire back pour éviter. Ah merde. Ici, je fais 8,2. Et bim. Ah zut. Quasi mort. Du coup, là, bah, tu reviens et tu tires. Hop, et fin de tour. Qui m'attaque un peu. Waouh. Ils ont pris cher. Je peux les faire reculer, c'est tellement fort en fait ce truc de guerrier. Hop. Il faut que je fasse gaffe parce que j'ai quand même pris un peu cher ici. Toi, tu me termines ça s'il te plaît, merci. Toi, du coup, je peux soigner ici aussi. Hop. Hop. Lui, on va le terminer. Hop. Ah, j'aurais pu attaquer et le faire reculer ensuite. Je vais le mettre dans le transport. Un petit level up ici. 5% de dégâts auto-infligés. La prot à choisir. Là, je veux pas me déplacer. Là non plus. Là non plus.
Là, tu vas prendre ça. Et fin de tour. Et l'exterminateur Chaillot. Grand air glisseur mécanique doté de bonnes capacités à distance et de drones de combat déployables. Bien, on va voir ce que ça donne. Étalement urbain. Pour pouvoir aller choper une troisième zone. Ah, ben, ça tombe bien. J'ai pas assez de minéraux. Ok. Ah, lui, je peux le tuer là. Hop. Bim. Ça, c'est fait. Je vais rester ici. Et là, tout va bien. Je vais faire un peu de régène ici. Lui, il bouge pas. Lui non plus. Alors, eux, je vais pas pouvoir trop les rapprocher. Parce que sinon, ils vont se faire attaquer. Aïe. J'ai. Zéro loyauté, mais j'ai besoin de plus de population. Gaffe, faut pas que j'aille dans les cigales, parce que les cigales, ça retire le soin. Cigale, 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 tac. 0% de taux de guérison. Donc faut y faire très attention. Bien, il recule. C'est un peu logique. Puisqu'il craint un peu moins les dégâts. Hop, très bien. Avec furtivité, je me prends pas de tir. Là, par contre, je vais me prendre des tirs. Ceci, je le tue. Je vais peut-être accepter de prendre quelques bastos. Hop, les ruines en fait bloquent ma vie, mon champ de vision.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre la barrière, réduction des tirs. Hop. Et je termine. Bim. Un petit gain de niveau au passage, ça fait toujours plaisir. Je peux lui rajouter petite esquive. Activable tous les 3 tours. Non, j'ai déjà une, j'en ai déjà une ce tour-ci. Hop, plus de heal. Je veux. Ah merde. Oups. Hop. Je vais faire sortir mes petits verres et hop. Aïe, merde. Oh, le 0,1. Qu'il est moche. Il est moche, le 0,1 qui reste. J'espère qu'il peut résister. Il avait pris combien? Est-ce que je peux voir? Est-ce que je peux voir l'historique? Ça, c'est l'historique de l'entre-deux tours. Si. Il a fait 8,7. Bon, ça va, normalement, il résiste. S'il n'y en a pas trop qui lui tirent dessus. Peut-être fait une connerie. Il a pris cher. Aïe. Ah mais c'est la zone. Ah, ça reste encore. Très bien. Ça, je peux... Ouais, 2 cases de distance. Ah zut. Alors, eux, ils vont être... Ils vont se retrouver logiquement en... Avec un debuff. Est-ce que j'ai plus d'algues? Capture. Ça, on attaque. Et on recule. Là, ah oui, j'ai encore lui qui peut sortir. Et bim. Ah oui, donc là, je peux tirer. Ah non, je peux pas tirer là. Parce qu'il y a les ruines qui me gênent. Alors, il va falloir que... Lui, j'ai pas trop envie de l'exposer pour l'instant. Donc, il va retourner à la maison. Toi, tu vas avancer là.
Tu vas soigner Coco. Tu vas aller là. Tu vas apporter un peu de soutien ici. Bon, quasi mort de nouveau. Il reste lui qui a une attaque. Quasi mort aussi. On va éliminer ceux qui sont plus derrière. Hein. Toi, j'ai pas envie que tu te déplaces. Fin de tour. Ah, voilà. Je vous avais dit, ça fait pop. Maintenant, je peux aller chercher un truc plus loin sur la. Pour ma ville. Par contre, je vais aller chercher les coups de pouce entre mes unités parce que finalement elles en bénéficieraient toutes. Alors, qu'est-ce qui se fait attaquer? Toi un petit peu, toi un petit peu. Hop. C'est un Evelyne qui a pris très cher. C'est un Evelyne, il va coller. Alors. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je reviens en arrière. C'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est le misclic. Donc les épaulières pour rajouter un peu de prot. Donc, on va commencer par. Alors. Vous pouvez pas faire grand chose. Vous pouvez juste récupérer ce qui est derrière. Là, je vais me prendre un tir. Il va m'attaquer nécessairement. De toute façon, je peux pas l'éviter. C'est bon. Bim. Parfait. Toi. Faire le ménage de celui-ci. Est-ce qu'il a comme debuff? Détournement. Qu'est-ce que c'est que ça? S'applique lors de la mort, plus tue la cargaison. Change le contrôle, cheftain. Ah ouais. Il me pirate. C'est rigolo. Bien. Ensuite. Ah oui, voilà, donc là maintenant il se retrouve en sous-approvisionnement avec un malus de précision. Bon, en même temps c'est pas très grave. Il est là pour appliquer son debuff. Hop, la corrosion pendant un tour. S'il meurt, il meurt. Hop, moins 2 de blindage. Donc là je lui fais mon attaque principale. Hop, 8,9. Et je peux pas rentrer. Ah, ce serait fort que je lui mette le mon debuff. Le debuff qui permet de. D'auto-infliger des dégâts. Je vais mettre un maximum de dégâts puisqu'il a le debuff, je sais pas combien de temps il fonctionnera. Longtemps.
J'ai pas envie que tu bouges. T'es très bien là où t'es. Sans trop de surprises. Voilà. Réduction de dégâts. Et qu'est-ce qu'ils ont? Il y avait un truc qui lui permettait. Plus de précision si adjacent à d'autres exécuteurs. Hop, la visière tactique. Tiens, là, je pourrais peut-être lui mettre ça. Ça pourrait être utile, hein, parce que justement, j'en ai un qui perd un peu de morale là. Alors, tac. Bim. Bim. Là, je vais lui coller un petit soin. Lui, il va aussi se soigner. 35 sur 39, ça me soigne de 6. Lui, il va aussi se soigner. Hop, on avance dans les ruines. Histoire de pouvoir bénéficier du debuff, enfin du buff de protection. S'il en bénéficie bien. On va se priver. Lui, le problème, c'est qu'il prend trop cher en morale. Hop, je vais pouvoir le mettre là. Tac. Hop, j'ai pas envie que tu te déplaces, j'ai pas non plus envie que tu te déplaces. Ouf. Argue. Lui, il tire jusqu'où? Il tire jusque là, donc il faut que je recule un maximum. Hop. Hop. Oh merde. Ah, c'est gain de morale pour tous. D'accord, tous ceux à... Ah oui, c'est pas mal, du coup. Disons que c'est mieux. Protéger quelqu'un particulier. Hop. Ah, ça va être un peu long parce que je manque d'unité. Qui ont de l'anti-armure. Donc il va me falloir un peu de temps. Mais répartiteur réseau, le JCC. De recherche en fond, on avait dit qu'il fallait prendre. Gagne. Soigner, je peux soigner lui là. Hop. Tac.
ensuite l'arrow s'attaque. Il a le debuff dégâts subis. Stio. Il tire jusque là. Je vais le mettre donc à faire à côté des copains pour qu'ils bénéficient du même buff que les autres. Toi, t'as déjà tiré. Hop. Ils sont tous déjà tirés. Et là, je peux. Alors, je peux recruter un ingénieur déjà. Mais avant ça, il faut que je récupère davantage de métaux. Là, j'ai un joli plus 20%. Allez. Ciel tombé de façon inhabituelle lorsque vos hommes prennent d'assaut l'enceinte Akrin, il n'y a pas de riposte, seulement un bruit incessant de sanglots comme une pluie battante sur une bâche en plastique. Alors que l'escouade passe au crible le campement à proprement dit, la source devient évidente. Un petit groupe d'Akrin en tenue de survie élimée à l'extérieur des abris de fortune. Ils se contorsionnent en hurlant, recroquevillés sur eux-mêmes. À côté, un fatras de composants récupérés fait office de haut-parleur, passant d'une langue humaine à l'autre, aboyant les mots de reddition et d'aide. Vos troupes perplexes vous contacte directement par radio pour recevoir des ordres. Alors, je peux leur laisser des ressources afin qu'ils viennent m'aider. Les Akrin, c'est assez fort. Puissent réparer leur système. Ouais, je ne sais pas ce que ça fera plus tard. Excellent soldat, parquez-les, envoyez-les à votre avant-poste le plus proche pour qu'ils soient armés et entraînés. Ou les exécuter. Les Akrin, c'est assez fort. Alors, ces destructeurs autrefois vertueux sont maintenant réduits à l'état de pitoyables loques. Leur talent pour la guerre pourrait cependant être votre salut. Que ce soit par compréhension ou par désespoir, les Akrin n'opposent aucune résistance lorsque vos soldats les encerclent et les ramènent à votre avant-poste. Seule une douzaine d'entre eux s'en sortent et commencent à s'entraîner. Équipés de technologies extraterrestres récupérées, ils font preuve d'une adresse au tir mortel et d'une mobilité inégalée. Même vos soldats les plus cyniques conviennent rapidement que les Akrin feraient un excellent ajout à votre armée, une offre que les Akrin acceptent volontiers et qu'ils scellent en tuant les inconvertis. Malgré leur loyauté fluctuante, les extraterrestres restent des fanatiques. Donc j'ai Vestige Akrin et Zélote Akrin. Alors, où que vous êtes, je ne sais pas. Où que vous êtes, là. Ah, bah tiens. Alors, Vestige Akrin, ça fait quoi? Subjugueur qui fait un debuff de précision. Et ceux-là, c'est ceux-là qui font beaucoup de dégâts. Et de mêlée, mais qui font hyper mal. Allez, alors, cette unité-là, je fais 3,2.
de précision. 83%. Vous ne bougez pas. Peut-être toi, tu vas bouger. Pourquoi sauter l'unité? Pardon, oui, sauter l'unité. Hop, excusez-moi. Hop, une meilleure recherche en forêt. Ouais, il faut que je prenne. Je suis con. Plus de 10% de dégâts. Ah merde, sous-approvisionnement, bah oui. Et ben oui. Où est-ce que je vois leur ce qui me coûte déjà? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Il faut impérativement que je puisse récupérer des algues. Et ça en plus ça soigne. Tout bénef. Bon, là normalement je le termine à ce tour-ci. Allez, c'est fait. Captain, réserve. Bah, je me suis fait avoir. Sans rancune, tu m'as baladé. Tiens, tu pourrais me buter avec mon couteau et quand je serai parti, tu pourrais l'aiguiser régulièrement, ce serait sympa. Allez, finissons-en. Fais pas attendre une dame. La dame, c'est moi, au fait. Et j'ai. Ah oui, elle avait pas d'autre. D'accord. Elle n'avait pas d'autre base. Et ben voilà, un adversaire de moins. Ah, oh, je me suis fait prendre ça là. Ça c'est fait. Et ben, ça me semble être une excellente occasion d'arrêter cet épisode ici. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit commentaire. On aime toujours ça. Et puis je vous fais bien des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.